bienvenue dans notre nouvelle émission Forte. Alors, Forte, qui est une émission qui parle des minorités dans l'art. Et aujourd'hui, on va parler donc de handicap et de neuroatypie, et particulièrement du syndrome de la Tourette, de l'autisme et de la trisomie 21. Donc, pour cela, nous sommes accompagnés de Antoine, présentement. Bonjour, comment ça va, Jazz? Ça va très bien. Il y a Kalana, donc, qui va parler de Gilles de la Tourette. Bonjour, Jazz. Bonjour. Et il y a Déborah qui va nous parler d'une mannequin trisomique. Salut, Jazz. Salut. Alors, Antoine, donc, c'est avec toi qu'on va commencer. Donc, parle-nous un petit peu de ton sujet. On va parler d'autisme, du coup. Il y a deux semaines, le 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et donc, je vais essayer de m'attaquer à ce sujet aussi vaste que passionnant. Déjà, je tiens à dire que je risque de commettre quelques imprécisions, tant le domaine est vaste et plutôt complexe. Donc il faut savoir que l'autisme véhicule beaucoup de fantasmes et d'idées reçues. Le film Rain Man, par exemple, sorti en 88, met en scène un personnage autiste, Asperger, qui est très performant dans des domaines très spécifiques et popularise l'idée qu'une personne autiste, Asperger, est forcément un génie autiste. D'ailleurs, en parlant du terme, parce que tu as dit le terme Asperger et tout ça, mais est-ce que tu connais un petit peu l'histoire du terme derrière, pourquoi c'est si controversé? Non, j'avoue, je connais pas. Je te laisse m'expliquer. D'accord, très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que le terme Asperger, donc, c'était un terme qui avait été créé par un médecin nazi, donc Hans Asperger, qui avait été utilisé à l'origine en fait, pour distinguer les bons autistes, donc soi-disant intelligents, et donc c'est eux qui seraient productifs pour le régime nazi, et pour les autres qui seraient soi-disant inutiles au système. En effet, c'est donc un terme qui est eugéniste et qui visait à faire une sorte de purification de l'espèce humaine, comme le voulaient les nazis. Du coup, c'est en ce sens que c'est extrêmement controversé dans les communautés autistes. Ça, en plus du fait que ça sous-entend qu'il y a une réelle distinction entre des personnes autistes Asperger et les autres, alors qu'en réalité, l'autisme, c'est un spectre, et pas un spectre linéaire, mais plutôt un cercle circulaire où il y a un peu plein de traits, où chacune peut avoir différents traits, beaucoup de traits, donc pas de réelle distinction entre les formes d'autisme. Il y a un peu, chaque personne autiste est unique et a ses propres traits. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Du coup, bah, merci Jess pour cette précision. Mais c'est vrai, comme tu dis, cette forme cette dénomination Asperger est très controversée, surtout que ça ne représente pas du tout la majorité des personnes autistes. Et donc, c'est l'idée que véhicule le film, comme quoi, du coup, les gens ont compris ça. Du coup, ouais, comme tu disais, en plus, cette forme autistique, donc autiste Asperger, est vraiment minoritaire et ne représente pas du tout la majorité des autistes. Et c'est pourquoi on voit pas mal de rumeurs liées au génie et à l'autisme. On pense que souvent, dès que quelqu'un est autiste, c'est un génie. Après, il y a quand même des exemples assez frappants dans l'histoire. Par exemple, Mozart. On soupçonne qu'il était autiste, parce qu'il a fait quand même des choses assez incroyables. On considère qu'il avait l'oreille absolue, c'est la capacité à identifier n'importe quelle note instantanément, ou une mémoire édiétique, donc il retenait tout de manière démesurée. Oui, et du coup, en fait, il y a un peu ces idées reçues, parce que faut savoir que les personnes autistes peuvent développer ce qu'on appelle des intérêts spécifiques, donc que les personnes neurotypiques ou alistes, c'est le contraire d'autisme, vont associer à des passions où en fait une personne va s'intéresser très fortement à un sujet pendant une période plus ou moins limitée et tout ça. Et aussi les personnes autistes peuvent avoir des hypersensibilités, ce qui peut mener par exemple à avoir l'oreille absolue, parce que l'oreille absolue en fait c'est le fait d'entendre le moindre bruit quoi. Enfin la moindre note et tout ça et la précision. Et puis par exemple il y a aussi quelqu'un de moins connu qui s'appelle Tom Wiggins, c'est un pianiste afro-américain aveugle qui avait un comportement à l'époque jugé excentrique. Et lui aussi a été diagnostiqué rétrospectivement comme étant un autiste savant. Donc pareil, il avait l'oreille absolue. Et aujourd'hui, peu de nos contemporains ont fait leur coming out autistique. Ouais. J'ai noté qu'il y avait Daryl Hannah, une actrice que je ne connais pas vraiment. Satoshi Tajiri, qui est la personne qui a quand même créé Pokémon. Et après, j'ai vu qu'il y avait des soupçons pour des personnes comme Bob Dylan, Mark Zuckerberg ou Bill Gates par exemple. Mais ce que j'ai vu, rien n'était sûr. Oui, d'ailleurs, Jazz, du coup, tu me disais que c'est Elon Musk qui a fait son coming out autistique. Oui, tout à fait, en fait. Donc, il nous a fait son coming out et tout ça. Donc, je pense qu'il a fait lui-même ses propres recherches pour savoir s'il était autiste ou non. Et du coup, ça m'amène à penser à un autre sujet, parce qu'on parlait de Mark Zuckerberg et tout ça, mais il me semble que Mark Zuckerberg, c'est pas lui-même qui a fait son coming out. C'est les gens qui ont essayé de deviner s'il était autiste. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ok. Parce que du coup, ça pose une question, en fait. Est-ce que ce ne seraient pas des personnes donc,
neurotypiques, A-listes, qui poseraient un petit peu leur fantasme sur des personnes qui, elles, perçoivent comme, entre gros guillemets, bizarres ou ayant un autre comportement, donc qui peut être associé à des neuroatypies, bien sûr, mais pas forcément de l'autisme, et du coup, qui vont calculer cet imaginaire-là et voir cette personne se dire « c'est un génie, du coup, cette personne est forcément autiste ». Et moi, ça me fait penser que du coup, ça amène à un autre problème. Ça invisibilise un petit peu les autres formes d'autisme, je trouve. Parce que du coup, dans l'imaginaire des personnes, comme tu l'avais fait remarquer au début, en fait, les gens ont tellement calqué ce fantasme qu'une personne autiste, c'est forcément une personne qui va accomplir des choses extraordinaires, qu'en fait, ça va entraîner qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être mal diagnostiquées. Par exemple, là, il y a beaucoup de personnes, notamment donc, sexisées, donc qui ne sont pas des hommes cisgenres, qui sont très mal diagnostiquées parce qu'on ne va pas déceler leur trait autistique, parce qu'elles ne vont pas correspondre à ces traits d'une personne qui s'intéresse à des trucs grandioses et qui va développer une forme d'intérêt pour, je ne sais pas, des trucs bien perçus et tout ça. Et ça amène, en fait, c'est qu'il y a énormément de problèmes de diagnostic et j'ai l'impression qu'en fait, cette vision fantasmée de l'autisme, un petit peu la mythifie, la fétichise et empêche les gens d'envisager l'autisme comme étant juste quelque chose de normal, en fait, et qui peut prendre plein de formes différentes, aussi variées qu'il n'y a de personnes autistes. C'est vrai que c'est ça, et ça me fait penser aussi au fait que... on a besoin souvent pour s'assurer de mettre une étiquette sur les gens. Le génie est forcément différent de tout le monde. Et on met une étiquette comme quoi il est autiste, et mine de rien, ça rassure un peu. Oui. Et là, ça me fait penser, par exemple, lors de mes recherches, je suis tombé sur une adolescente, Camille, qui a 16 ans, et elle disait ça. Elle disait que quand elle a été diagnostiquée autiste, Asperger, du coup, ça a beaucoup rassuré ses proches, où d'un coup, il y avait plein de réponses à leurs questions, en se disant, elle n'est pas juste bizarre parce qu'elle est bizarre, c'est parce qu'elle est Asperger. Et elle en parle, du coup, je suis tombé sur un interview où elle parle de ça, et elle parle de son enfance difficile, que les autres parvenaient pas à créer de lien avec elle, et vice-versa, qu'elle n'arrivait pas à créer de lien avec les autres. Elle dit par exemple ça, je trouve que c'est très parlant, elle dit « J'ai toujours vécu dans une bulle hermétique, souvent éclatée par une nuisance sonore, émotionnelle et tactile. » Et je trouve que c'est très parlant et très représentatif de ce que peuvent ressentir les personnes qui sont diagnostiquées comme étant autistes Asperger et autistes en général. Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment forcément de distinction. Enfin, ouais. Non, mais dans son cas, elle, autiste Asperger. Ouais, mais du coup, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça pointe un peu du doigt un problème, ce qui s'appelle que le monde est fait par et pour des personnes neurotypiques. Et que du coup, en fait, quand on est une jeune personne neuroatypique, en fait, on vit ça de plein fouet. Donc soit on apprend à masquer à notre rencontre, et dans ce cas-là, en fait, on va mieux passer dans la société. Soit on ne sait pas masquer, et en fait, même si on apprend à masquer, en fait, on va devoir tout prendre sur nous et tout ça. Par exemple, les bruits extérieurs, quand on a des hypersensibilités sensorielles, on va pas se mentir, juste prendre le métro ou même certains, les salles avec les lumières Léon qui sont pas du tout adaptées à des personnes qui ont des hypersensibilités à la vue, en fait. Et ça pose énormément de questions, en fait, c'est qu'on pense pas du tout l'espace et même la société pour les personnes autistes, parce qu'on est, pour les personnes neurotypiques et autistes, parce qu'on s'imagine que c'est une toute petite minorité de la population, mais que c'est quelque chose de juste extraordinaire et qu'en fait l'autisme c'est juste quelque chose de l'ordre du génie, alors qu'en fait il y a plus de personnes neuroatypiques qu'on ne le pense, quoi. Ah ouais, et puis moi ça me fait penser aussi à des magasins qu'on fait une action, bon c'est pas non plus une révolution, mais pendant une heure ils baissaient les lumières, ils baissaient la musique, et ça permettait aux personnes qui ont une neuroatypie de pouvoir être dans les magasins sans souffrir. Tout à fait. Et ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce serait pas juste, faudrait le faire, mais pas juste à l'échelle d'une heure dans un magasin, mais le développer vraiment. Et par exemple, juste pourquoi ne baisser les lumières qu'à un certain temps ? Est-ce que ça va ? Pourquoi ne pas les baisser tout le temps ? Pourquoi avoir toujours besoin de mettre du bruit fort ou de la musique dans les magasins ? Est-ce qu'on peut pas juste les laisser silencieux ? Comme ça permet aux personnes neuroatypiques qui ont des hypersensibilités sensorielles de mieux vivre. Et pareil pour l'école, plutôt que de les exclure des écoles, pourquoi ne pas les inclure en adaptant les programmes à leur neuroatypie ? Et en, par exemple, juste en arrêtant de les empêcher de stimuler en cours, en nous inculquant de rester des heures sans bouger sur une table, ce qui n'est pas possible pour beaucoup de personnes, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais ça touche à le sujet de l'inclusion qui est très
très vaste. Et moi, je sais que j'avais travaillé dans une structure et puis on mettait des enfants qui étaient diagnostiqués autistes dans une classe de CM2 qu'on peut qualifier de classique, entre guillemets. Et ils avaient des progrès remarquables, alors que dans la classe, avec les autres, ils se tiraient chacun avec des mauvaises habitudes. Et avec des enfants de CM2, on va dire lambda, ils avaient des progrès fulgurants. Oui, c'est ça. Et moi, juste par exemple, pour prendre mon cas personnel, c'est que je suis neuroatypique et il y a de très fortes chances en fait que je sois autiste et j'ai un TDAH pour sûr. C'est que parfois l'école ça a été compliqué, surtout l'école primaire et le collège ça a pu être compliqué parce qu'en fait il y avait les autres enfants n'étaient pas du tout déconstruits sur les questions de la psychophobie et leurs parents leur propageaient parce que c'est un enfant ne va pas naître validiste et psychophobe, pas du tout, mais c'est que leurs parents vont leur propager, enfin l'éducation leur propager l'idée qu'être neuroatypique c'était quelque chose de négatif et c'était être bizarre et du coup ils harcelaient les personnes neurotypiques quoi aussi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est un sujet vaste, hein. Peut-être qu'on digresse un peu, mais en tout cas, c'est pas grave, tout à fait. Ça reste intéressant, et du coup, voilà, moi j'ai terminé mon sujet, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah super, c'était super intéressant. Merci. Merci Antoine, bon du coup maintenant on va parler de Gilles de la Tourette avec Kalana. Et d'ailleurs, petit intérêt, il y a un peu des traits communs entre l'autisme et Gilles de la Tourette. Je laisse la parole à Kalana. Oui, en effet, il y a des traits communs. C'est vrai que les autistes peuvent avoir certains tics. Et c'est aussi le propre de ceux qui sont atteints du syndrome de Gilles de la Tourette, qui ont des tics parfois gestuels, verbaux, parfois c'est même les deux. Et il ne faut pas croire que ceux qui ont le syndrome de la Tourette ont forcément des tics du style qui vont t'insulter presque en permanence. Oui. Non, parfois ils n'insultent pas en permanence. Je vais même vous citer plus tard deux chanteurs qui ont le syndrome de la Tourette, ont été diagnostiqués et n'insultent pas en permanence. Ah, tout à fait. Bah là, en fait, vous me parlez de... Enfin, tu me parles vraiment de fantasmes. Du coup, des personnes neurotypiques qui n'ont pas Gilles de la Tourette, en fait, c'est ça. Et du coup, juste rapidement, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Gilles de la Tourette et comment c'est diagnostiqué ou pas? Comment c'est diagnostiqué? Bah déjà, c'est un médecin qui doit le faire. Mais comment c'est diagnostiqué, comment ça se passe, je ne sais pas exactement. Ouais. C'est juste qu'on remarque qu'ils ont des tics. C'est vrai que quand ils ont un certain stress, les tics s'accroissent, mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais quand ils ont une certaine forme de passion et qu'ils sont en train de la pratiquer, alors ça peut être le bricolage, la musique, l'écriture, peu importe, ça peut être plein de choses, et bien tous ces tics, ils disparaissent. Okay. Ils sont concentrés, ils sont focalisés sur leurs choses et c'est comme s'ils étaient des personnes lambda, normales. Ouais, moi ça me rappelle un petit peu l'autisme là-dessus parce qu'il y a un peu le même fonctionnement parfois quand t'es centré sur une action, tu penses qu'à l'action mais du coup je te laisse continuer, petite aparté. Oui, petite aparté. Et je voulais commencer avec une autre petite aparté qui va rebondir sur ce que disait Antoine précédemment. C'est sur Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, oui, j'avais entendu, on m'avait dit qu'il y avait des soupçons sur le fait qu'il avait Gilles de la Tourette, en plus d'avoir des soupçons sur son autisme du coup. Tu pourrais m'en parler plus du coup? Et bah oui, en effet, Mozart, il a vécu déjà au 18e siècle, donc le diagnostic n'existait pas. Il n'y avait même pas de psychologie à l'époque, donc ça risque d'être compliqué, ouais. Et donc... on a fait un diagnostic hypothétique sur des lettres que Mozart a écrites à 20 ans. Mais on n'en sait pas vraiment plus, en fait. Oui. On remarque qu'il avait un certain comportement qui était pas celui qu'on attendait d'une personne de l'époque. Ouais. Ça, c'est sûr et certo. Et c'est ce qui a aussi grandifié, ce qui a permis de dire que Mozart... C'est peut-être le syndrome de la Tourette, comme il a peut-être aspergé, ou un autre trouble sens-là. Ok. Mais du fond, qu'il y a plein de fantasmes sur Mozart, et ils sont invérifiables, de toute façon. Oui, de toute manière, là, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas sortir son cadavre de la tombe, ça me paraît un peu compliqué. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on parle très très peu, justement, du coup, du fait de cette absence un peu d'histoire des neuroatypies, on a peu d'informations là-dessus. Et du coup, les personnes qui avaient Gilles de la Tourette et même d'autres neuroatypies ont été invisibilisées dans l'histoire, même si elles existaient, en fait. Voilà.
Ah bah là, c'est clair et net. Ouais. C'est vrai qu'il y a les artistes ou même les personnes, les célébrités qui ont le syndrome de la Tourette. Il y en a vraiment très, très peu. Ouais. Ah, surtout le syndrome de la Tourette, ouais, c'est hyper invisibilisé, même encore aujourd'hui. Genre, personne. Enfin, il y a peu de gens qui connaissent. Et enfin, moi, de ce que j'ai entendu, je vois beaucoup de gens réduire ça aux insultes, en fait. Alors que. Bah, c'est pas que les insultes, ça peut être un trait, mais c'est pas que ça, quoi. Ouais, et ça peut être comme geste gestuel, ça peut être un doigt d'honneur, comme ça peut être un simple lèvement de sourcils, un relèvement d'yeux, ah oui. Un rictus de bouche, un grattement particulier, le corps qui bouge d'une certaine manière, ça peut être les épaules, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, non mais c'est ça. Même un raclement de gorge, une toux, ça peut être pas mal de choses, ces tics. Donc ouais, c'est ça. Mais du coup, genre pour donc là on a vu un exemple donc ancien d'une personne qui avait potentiellement Gilles de la Tourette, mais aurais-tu des exemples contemporains un petit peu pour montrer que bah c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont Gilles de la Tourette, quoi? Et bah la plus connue, et oui, c'est une femme, c'est Billie Eilish. Ah, je savais pas. Et oui, Billie Eilish a le syndrome de la Tourette, elle a été diagnostiquée durant son enfance. Alors, on n'a pas l'âge exact, elle ne l'a pour l'instant pas communiqué, tout simplement. Ce qu'on sait sur Billie Eilish, c'est qu'elle a commencé sa carrière en 2016, mais en 2016, on ne savait pas qu'elle avait le syndrome de la Tourette. Du reste, elle a tenu à ce que ça ne se sache pas, parce qu'elle ne voulait pas être réduite à cet aspect-là de sa vie. Ouais. Et peut-être pour ne pas faire pitié ou ce genre de choses. Possible, ouais. Et bah ça ne s'est su qu'en 2018, où il y a une sorte de compilation sur une vidéo où elle avait des rictus pendant les interviews, ouais. qui a été envoyée sur YouTube en 2018. Ouais. Et elle parle aussi, donc elle est obligée de dire qu'elle a, en 2018, qu'elle a ce syndrome-là à cause de cette vidéo. Ouais, elle a été forcée à sauter, quoi. Ouais. Oui, donc dans ses interviews, elle a des petits tics, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très visibles. Alors ça se contente surtout de relevements de sourcils, des yeux qui vont au ciel. C'est surtout ça, ces tics à elle. C'est pas elle insulte tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, ou elle fait un doigt d'honneur, ou ce genre de choses. Ou elle fait un geste très très brusque. Non, non, c'est juste très simple. Ouais. Et je voulais savoir, du coup, depuis, bon, c'est un peu un outing forcé, mais est-ce qu'elle en parle un petit peu dans ses morceaux ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Elle ne communique rien sur ses morceaux, elle donne pas son avis, ni son impression. Ok. Mais dans ses interviews, elle a déjà dit que quand elle pouvait les contrôler, ses tics, mais quand elle les contrôlait après, quand elle ne les contrôlait plus, donc après les interviews, et bah les tics s'aggravaient vraiment beaucoup. Ouais. Limite que c'était un cauchemar. Oui, comme elle s'est retenue pendant tout le truc, je pense qu'il y a une petite décharge et voilà quoi. Oui. Mais du coup, en parlant de musique, est-ce que tu aurais des exemples de personnes qui en parlent vraiment et qui sont concernées par le sujet? Eh bien oui. Et c'est tout nouveau. En effet, il y a le chanteur Tix, qui est un chanteur norvégien, qui a fait l'Eurovision en 2021. Eh ouais. Et il a mis dans son clip, le clip de la chanson qu'il a chantée à cette Eurovision, il parle de ce syndrome, de comment il se perçoit avec ce syndrome. Oh. Et oui. Enfin quelqu'un qui parle de son syndrome. Ouais, bah parce que c'est très peu mis en avant et très peu visible. Et bah, personnellement, j'ai vu aucun artiste parler de Gilles de la Tourette, en fait, tout simplement. Et donc cette chanson, elle s'appelle Fallen Angel. Comme vous l'aurez compris, c'est en anglais. C'est pas en norvégien, heureusement, parce que comme ça nous permet de bien comprendre. C'est sûr, ouais. Et on n'est pas énormément à comprendre le norvégien. Ouais. Pour lui, on peut aussi faire une comparaison avec Billie Eilish parce que ses tics sont aussi très très légers. Ça concerne surtout les yeux qui vont au ciel. Oui. Et donc il met des lunettes de soleil pour cacher ça. Ouais. Et donc c'est un peu sa marque de fabrique, les lunettes de soleil. Je vois, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Il a aussi une sorte de bandeau qu'il met aussi beaucoup. Donc dans le clip, vous verrez aussi ce bandeau avec écrit Tix, donc T-I-X. Ouais.
Dans le clip, on voit très bien qu'il met ce bandeau pour cacher le fait qu'après un lynchage, on lui a écrit tic, raison de ses tics, ouais, pour le stigmatiser. Oui, c'est une réappropriation en fait, du coup, là, petit peu son pseudo. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Comme vous l'aurez compris, son pseudo, ça vient de, de son syndrome. Ok. Donc il l'affirme sur son clip, il l'affirme... bah aussi visuellement avec ce bandeau, avec son nom de scène, il l'affirme aussi. Oui, clairement, du coup, clairement. Bah comme Billie Eilish, quand dans ses clips on ne voit pas qu'il a des tics ou ce genre de choses, ouais. Pour lui sur scène, on n'a pas encore vraiment beaucoup vu sur scène, donc on ne pourrait pas dire grand chose sur est-ce qu'il a des tics sur scène. Par contre, pour Billie Eilish, elle a déjà eu quelques tics sur scène, mais c'était que entre deux morceaux. Et dès qu'elle se mettait à chanter, il n'y avait plus les tics. Ils disparaissaient comme par magie. Ou ça. C'est ça, ouais. Il n'y a plus rien. Pour en revenir à tics, par contre, son clip a pour but de une sorte de sensibilisation du public, parce que son clip montre le lynchage, les moqueries qu'il a subies dans son enfance. Ouais. Il veut montrer à travers le clip la souffrance qu'il a vécue. Oui, à cause du regard des autres et de du validisme en fait qu'il s'est mangé en fait toute son enfance quoi, c'est ça. Oui, à travers son adolescence. Ouais. Donc il montre d'abord un petit enfant qui a à peu près 8-10 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Ouais. Et après c'est l'adolescent où il est carrément lynché. Donc qu'il a mal vécu, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi dans la chanson même des références, mais c'est un petit peu plus discret quand même, au fait qu'il ait le syndrome de la Tourette. C'est quand il prononce la phrase « Here in the dark, inside the hole in my heart, I'm fighting all of my demons, twina tear my apart. » Donc désolé un peu pour l'anglais. Non, pas de souci, il n'y a aucun souci. Hein. Il met en avant... en fait, c'est démon intérieur. Et ce qui caractérise ces démons intérieurs, et c'est ces tics qui surgissent comme ça, qu'il ne peut pas contrôler. Ce qui fait que ça le rend pas normal. Oui. Et donc, cette chanson parle aussi d'un amour impossible, qui est déjà un motif très courant dans la musique, dans l'art en règle générale. Et donc, mais lui, il dit en plus que cet amour impossible... Il est impossible parce que lui, c'est un ange déchu. Et comme le dit il dit « I'm a fallen angel », donc « Je suis un ange déchu ». Et du reste, c'est affirmé aussi dans le titre de la chanson même. Ouais. Donc, il est un ange déchu parce qu'il a ses démons et donc parce qu'il a ce syndrome de la Tourette. C'est comme ça qu'il se perçoit. Mais la fille qu'il aime, on va dire comme ça parce que c'est vraiment une très jeune fille, quand il est jeune garçon, il aime une très jeune fille. Ouais, ok. Elle, c'est une personne lambda, elle n'a pas ce syndrome. Et donc, elle, c'est un ange au paradis, il ne peut pas l'atteindre, il ne peut pas la rejoindre au paradis parce qu'il a ses démons. D'accord, ok, ouais. Tix et comme Billie Eilish... ne sont pas en vrai les mêmes, enfin, ce ne sont pas les seules personnes qui ont ce syndrome de la Tourette. C'est sûr. Mais elles sont vraiment, vraiment très peu nombreuses. Oui. On peut aussi parler d'André Malraux. Ah, André Malraux, il avait Gilles de la Tourette. Oui, il avait le syndrome de la Tourette. Et il y a un autre aussi, un footballeur américain qui s'appelait Tim Howard. Il était dans les tirs au but, quoi. Oui, d'accord. Enfin, dans le goal, quoi. Oui, je vois. Il était goal. Ok. Il avait ce syndrome aussi, de la Tourette, même si il est vraiment moins connu que André Malraux. D'accord. Après, dans l'art, au sein de l'art, on parle vraiment très peu aussi du syndrome de la Tourette. Oui. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui ont ce syndrome dans la, qui sont artistes. Qu'il exprime, quoi. Et qu'il exprime. Mais il y a aussi, on trouve des films, même s'ils sont vraiment aussi très peu nombreux, qui parlent de personnes qui ont le syndrome de la Tourette. Et dans mes recherches, j'ai trouvé le film Brooklyn's Affairs
de Edward Norton qui est sorti pareil en 2019, donc c'est vraiment très récent. Ouais. Et donc ça relate juste une affaire, une enquête qui se fait par un enquêteur qui a ce syndrome-là. D'accord, ok, c'est intéressant. Mais oui, c'est vrai, comme tu le dis, on met très peu en avant, on invisibilise en fait les personnes qui ont Gilles de la Tourette. Et même au sein de la communauté, des communautés neuroatypiques et tout ça, en fait, c'est très invisibilisé en fait, ce syndrome-là, on en parle très très peu et tout ça. On parle énormément, on parle beaucoup plus de l'autisme, parfois de manière erronée, mais c'est beaucoup plus mis en avant et c'est beaucoup plus connu que Gilles de la Tourette, par exemple. Donc, il reste beaucoup de travail au niveau de la représentation de Gilles de la Tourette à faire, oui. Clairement. Et même de l'acceptation dans les écoles. Oui, clairement. Parce qu'ils font quand même l'objet de moqueries. Ouais, la psychophobie et le validisme. D'ailleurs, j'ai oublié de définir ce que c'était le validisme, mais en fait, ça concerne toute discrimination à l'encontre des personnes handicapées. Et du coup, la psychophobie, ça va être centré en fait sur les personnes qui ont des neuroatypies ou des psychoatypies. Enfin, par exemple, de l'autisme, Gilles de la Tourette et tout ça. Du coup, merci Kalana, c'était très intéressant de t'entendre parler de Gilles de la Tourette. Et j'ai appris beaucoup de choses du coup, sur ce syndrome et tout. Et merci à toi. Du coup, merci Kalana encore une fois et tout ça. Donc maintenant, je vais passer la parole à Déborah. Donc toujours sur le sujet de l'inclusion, en fait, elle va nous parler d'une mannequin trisomique. Donc je lui laisse la parole. Alors oui, à l'épisode 1, je parlais de la minorité qui concernait les LGBT+. Et pour aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur la trisomie 21. J'aimerais du coup présenter Madeleine Schwartz. Ouais. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Tu la connais ? Pas du tout, justement. Ça va être super intéressant. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir d'elle, c'est que la Fashion Week de New York avait défié quelques canons de la mode. Le dimanche 12 février 2017, la jeune mannequin a en effet présenté sa première collection sportwear. Tu connais ? Pardon, je veux bien que tu me le décrives un petit peu, même pour les auditorices, si possible. Eh bien, je sais pas si je pourrais dire que c'est un peu comment tu es habillée aujourd'hui, mais du moins, c'est une manière, en fait, d'être décontractée. Là, tu te sens décontractée dans tes vêtements. Oui, tout à voilà. fait. Voilà. Donc, du coup, en fait, sportwear, c'est quand tu portes des sneakers, donc des baskets, des jogging, des vêtements larges. Oui, tu te sens bien dedans, quoi. Oui. C'est une manière un peu de se représenter, représenter un peu le sport, oui. D'accord. Les vêtements larges, ce genre de choses, oui. D'accord. Et donc, du coup, il faut savoir qu'à 21 ans, elle avait quand même 600 000 fans sur Facebook. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Ah oui. Grâce à justement sa collection sportswear. Et la mannequin qui avait des. Oui, la mannequin, je dis la mannequin, mais du moins c'est Madeleine Schwartz. Avait défilé sous les Bravos à New York en septembre 2015, parce que oui, en fait, c'est en septembre 2015 qu'elle s'est fait connaître. Parce que, en fait, sa maman, voilà, s'était rendu compte qu'elle se sentait mal dans sa peau. Et donc, elle a décidé de la prendre en photo. Ouais. Et de poster ses photos sur les réseaux sociaux. Et elle est devenue populaire comme cela. D'accord. Et donc à partir de là, étant donné que sa maman et elle sont stylistes, ouais. Et donc elles ont décidé de proposer leur marque. Du coup, ça a très bien marché d'ailleurs. D'accord. Et tu m'avais dit justement qu'elle était trisomique. Et du coup, en quoi c'est une avancée en fait en matière d'inclusion dans les milieux de la mode notamment ? Bien sûr que c'est une inclusion dans le milieu de la mode, parce que je pourrais dire que c'est un peu un symbole. Oui, c'est un symbole parce qu'elle elle souhaite, à travers elle, en fait, la maladie, du moins, est mise en avant et on peut constater qu'une trisomique peut proposer un style de vêtement qui peut être apprécié de tous et qui peut être aperçu, du moins qui peut être qu'on peut voir sur les podiums. Oui, tout à fait. Mm. Plus enlève un petit peu ce stéréotype d'une personne ou handicapée qui serait un peu vue comme une plante verte entre guillemets pour la plupart des gens, quoi. Plante verte. Pourquoi plante verte ?
Parce que dans les normes, en fait, les gens s'imaginent que les personnes handicapées, en fait, seraient inutiles à la société. Je ne le pense pas du tout, mais c'est un peu les stéréotypes qu'il y a liés au handicap. Et ça pose deux problèmes, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'humain qui est bon que pour la production. Et en plus, du coup, ça exclut complètement les personnes handicapées, enfin, qui sont des personnes, quoi. Je dis des banalités, là, mais qui sont marginalisées en raison de leur handicap, de leur neuroatypie, de leur psychoatypie, alors qu'on devrait les inclure dans la société avec des adaptations, évidemment, à chaque personne, mais pas juste les voir sous le prisme neurotypique, complètement normatif, en fait. Et c'est vrai qu'en ça, c'est une vraie avancée, je pense que c'est une vraie avancée de voir une mannequin trisomique et styliste complètement mise en avant dans des milieux assez normatifs, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, bien sûr que ça l'est, c'est très intéressant d'ailleurs. Et ce que je voudrais souligner, c'est également que Madeline entend continuer à imprimer sa marque dans la mode. Elle a réussi à obtenir quand même un visa de travail américain. Oui. Ouais. Sa mère avait souligné que, je la cite, c'est la seule personne à souffrir d'un handicap mental. Et malgré son handicap, elle a quand même réussi à l'obtenir, donc à obtenir ce visa de travail. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir traverser les montagnes ainsi que les mers et aller s'exposer à un autre monde qui est le monde de l'Europe ou le monde asiatique et de se faire connaître. Oui, c'est ça. Oh, c'est intéressant. Bah, ouais. Merci pour ton intervention, du coup. Merci à toi, Jazz. Donc, merci Antoine Calana et Déborah donc, pour nous avoir parlé donc, justement de l'autisme et des problèmes de représentation liés à l'autisme et tout ça, du syndrome de la Tourette qui est encore très très peu connu et qui nous donnant en fait une bibliographie avec des œuvres à voir et des artistes à suivre, et Déborah pour nous avoir parlé de Madeline Stewart qui est une mannequin trisomique, et donc je vous remercie pour cet épisode, à la semaine prochaine du coup.